Tu veux présenter le ton documentaire Le documentaire s'appelle euh, piccoli, eh, piccoli accordi, accordi con l'amore en italien. <laughs> J'aime bien. <laughs> bien la traduction en italien. Donc, euh, c'est un film sur euh, les sites de rencontres communautaires, c'est-à-dire sur comment on cherche, euh, comment on négocie avec l'amour et l'identité dans notre époque globalisée sur internet donc comment on peut être aussi eh, local et aussi eh, globalisé à la fois un peu sur les contradictions qu'incarne l'amour et la communauté l'amour et l'identité donc c'est un film uh, qui traite de, des sites d'encontre uh, fra communautés, et qui pose le problème très actuel de del confronto fra uh, l'incontro e uh, la comunità, l'identità uh, in generale, e della globalizzazione. Quindi diciamo che è un documentario che parla dell'amore al giorno d'oggi, quindi con i social network, con internet. Quali sono le difficoltà che hai riscontrato nella realizzazione del tuo documentario e com'è stato l'approccio con gli attori? In en effetti fait, oui, è un soggetto che è difficile da trattare, è un po' un soggetto tabù, on può dire, de parlare dell'intimità è molto difficile per ogni persona. Mais en plus de ça, de parler de, de l'identité dans l'intimité, c'est encore plus difficile, surtout en France où on fait semblant qu'il n'y a pas de communauté, où on fait semblant que les identités ne sont pas vraiment importantes, alors que si, donc profondément chez les gens, ils sont très importantes. Donc il y avait un double tabou à, à, à dépasser, je ah. trouvais, chez, voilà, chez, les, chez les gens qui voulaient participer. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver des, des personnes à témoigner. Ça se voit dans le film, vous allez voir. Uh, sì, quindi c'è stato il doppio problema uh, dell'intimità, uh, quindi come riprendere quest'intimità, uh, ma anche quello appunto di cui parlavamo prima della comunità. Uh, quindi è stato molto difficile associare questi due temi e infatti ha avuto difficoltà a trovare gente uh, che accettasse di uh, testimoniare, di uh, figurare in questo film. E si vedrà appunto questo nel film. Quelle est l'idée de l'amour que a Ilana, que elle avait avant le documentaire S'est si changé quelque chose eh, Je ne pense pas que j'ai une idée eh, qui, a, qui a changé par rapport à l'amour parce que je n'avais pas. Quand vous, voyez, quand vous allez voir le film, vous allez comprendre que, en fait, le film se base sur une expérience que j'avais eu déjà il y a dix ans. Donc, euh, j'avais déjà changé il y a dix ans, bien avant de penser même à que je pourrais faire un film sur. Euh, et, et donc. Euh, mon idée, c'était justement, euh, enfin, n'a pas changé, c'est-à-dire que Internet, pour moi, euh, je ne juge pas euh, comment on peut trouver l'amour ni la communauté sur Internet. Je n'ai jamais jugé ça dans le film, et, et c'était. Mais il me fall, il m'a fallu dix ans de distance avec euh, mon expérience pour en arriver là, pour ne pas juger. Voilà. Quindi non, non è cambiata la sua idea dell'amore col film. Uh, la sua idea dell'amore è cambiata dieci anni fa. Uh, quindi praticamente ci sono voluti dieci anni per uh, realizzare, diciamo, per uh, uh, attuarla nel film. E quindi lei dice: Non, non giudico comunque questo modo di, mh, di incontrare con i siti o con internet, è solo un'idea che ha maturato, diciamo. L'empathie est le thème de la 7e édition du doc Festival. Quelle est l'image eh, la plus empathique que nous pouvons rencontrer de ton documentaire Effectivement, je trouve que ça parle beaucoup d'empathie. Enfin, je veux dire que ma démarche était une vraie démarche d'empathie eh, et je crois que ça correspond vraiment bien au festival. La plus grande empathie que j'aurais pu y penser, c'est que en fait, j'ai fait une démarche pour comprendre les gens qui sont beaucoup plus conservateurs que moi. Et, et, et c'est une démarche qui euh, qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire mmh. d'aller dans, dans, dans ce sens-là, de d'essayer de, de comprendre des gens qui sont plus fermés que moi, euh, qu à, à mon avis, mais de ne pas juger et d'essayer de comprendre et de, de comprendre que, comment moi aussi je peux je peux les comprendre, voilà. Uh, quindi è vero che è un tema che corrisponde benissimo al suo documentario, è proprio quello che ha voluto uh, far vedere e diciamo, far emergere nel suo documentario e diciamo che lei uh, il, il proposito che ha avuto è di andare incontro a gente molto conservatrice, gente molto più chiusa, molto, con delle idee molto chiuse e quindi uh, eh, questa è stata un'idea abbastanza originale sì. perché di solito non si, fa, um, uh, non si fa questo di andare incontro a gente con. Et aussi que l'idée d'essayer de, 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 d'empathiser de, avec des gens qui sont de communautés différentes que la mienne, et que d'essayer de voir comment ça se joue sur différentes communautés. Ça aussi, c'était une démarche d'empathie qui, qui pour moi est évidente dans le film. Sì, e quindi l'altra immagine di empatia che ha voluto trasmettere eh, è di andare incontro a queste comunità, eh, comunque anche lì, dei mondi comunque estranei, eh, che, che non conosceva e che ha voluto comunque scoprire.